la petite gorgée d'eau qui fait du bien avant de commencer. Alors, bienvenue dans ce nouveau let's play de Alice Madness Returns, donc retour au pays de la folie. Qui n'est pas une traduction littérale d'ailleurs. Et voilà. Donc en fait, tout simplement, je voulais faire un jeu qui bouge un peu plus en parallèle de Finding Teddy parce que c'est un jeu très calme et y a pas grand chose à dire dessus. Donc, enfin si, il y a des choses à dire dessus, mais voilà, ça prend pas 1000 ans. Alors, écris ton nom si tu le veux bien. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom Voilà. Suis-je bête. Que tu es jolie. Oui, allez, au pire je passerai sur l'enregistrement. C'est joli ça, j'aime bien. Ça met dans l'ambiance déjà. Il y a juste une façon d'avoir les 400 000. Ok. Ce sera bien comme ça. Bon, à 2-5, j'étais déjà à 2-5 au final. On s'en fout. Anti-crénelage avec... Alors, que je me rappelle avant... Ok. Ok, ok. Ouais, moyenne. Bon, voilà. J'ai tout fini. J'aime beaucoup la musique, en tout cas. L'univers du jeu a l'air cool. On va voir ça. Oui, moyenne. Bon, moi je le vois, vous sur YouTube, je sais pas si avec la compression ce sera... Je vais monter un peu plus pour vous, voilà. Non, son, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, peut-être que ça a une utilité dans le jeu, je sais pas, peut-être que je vais regretter cette décision. Les vivants disent que le silence est d'or, alors pourquoi pleurent-ils les morts? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Oh mon dieu, il y a plein de clés. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais... un souvenir. Et il me rend malade. Oui. Parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? J'ai changé.
C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente. Lapin? C'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? Le voilà. J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine. C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... te rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. Ambiance! En tout cas, posage ambiance, propreté. Quoi. Ouais, c'est ça, vas-y, t'es moche. Charlie, ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Veux-tu? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille, elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu? Détends-toi. Ok, je peux rien faire. C'est fini. Chambre des garçons. Oh, lui m'a pincé. Ça réveille. Oh, lui t'a pincé, d'accord. Ouais, les cabinets refoulent. Plus que ta chambre. Oh, trash talk. Où est la porte? Ah mais vous avez pas de nom, vous êtes des numéros quoi. 2, 8, 9, les autres ils avaient ça aussi? J'ai pas vu. Ton numéro? 8. Et toi là-bas? Nos lits sont sales. Jusqu'à lundi. Ok. Donc les gosses, ils ont des numéros. C'est cool. Moi, j'en ai pas, apparemment. Girls' room. D'accord. Là, la classe ou pas? D'accord. Le docteur, il est bon? Il t'a guéri, toi? Pas pour l'instant. En phase terminale. Elle, j'arrive pas à voir son numéro. Je sais pas si ça a de l'importance. Bon, dans tous les cas, on s'en fout un peu. Allez, trace. Ouh. Salut, toi. De toute beauté. J'aime bien ta bouche. Ça y est, je connais déjà la musique. Je ne pleure pas sans raison. Et toi? Ah, les filles, elles ont des numéros en lettres romaines. Et les garçons avec des... voilà. Vous avez compris, quoi. Home, safe, home. Ça a pas l'air super ambiance, quand même, chez vous, les mecs. Hein. Des valises. Et encore un... encore un... j'allais dire un brassard, mais c'est pas un brassard. Une orpheline. Et vous, vous êtes quoi? Sans indiscrétion, vous êtes quoi? T'as vu ta gueule, toi? T'as vu ta gueule? On dirait Theon Greyjoy en plus camé. Ah non. Bon, ok, y'a rien à faire dans ces pièces, c'est super. Un mieux qui peut, d'accord. On peut pas ouvrir les portes, c'est un peu dommage. Chouchou du docteur. Elle est bonne pour l'asile. Je mange mon chapeau si elle est saine. T'as pas de chapeau. Sa famille est mort. Qui en voudrait?
Redis ça. Ah ouais, vous êtes intouchable, genre mur invisible et tout, je peux pas vous botter le cul, d'accord, ok, je vois. Mais quand même, il y a des cartes qui volent. Là. Là. Buggé. Ok. Un autre jour. Un autre rêve, peut-être. Ça va, toi? Un autre enfant dans un cube. Voilà. Là, on peut rien faire. Ok, c'est prévisible. Elle m'a épuisé. La meilleure chevaucheuse du pays. Donne-moi des détails. Quelle position? Dessus, dessous, derrière. Surtout derrière. Ah ouais. Bon, bah s'il y avait des enfants qui regardaient, je m'en excuse. Tu aimes Boccherini, petite? Ou alors Paganini? J'aime bien le violon. Ah, j'en ai plein le dos de tout ça. Le travail, c'est la santé, foutaise. Excusez-moi, mais votre échelle, là, elle ne mène nulle part. Elle ne sert à rien. Voilà, voilà. Vous êtes fatigués, les mecs, j'ai bien compris. Va par ici, Miss. Fais le tour. Le bruit est tel qu'on s'entend plus penser. D'accord, ok. Ils sont en train de construire le métro. Je peux pas passer par là. Ok, couloir. C'est donc un jeu couloir. C'est génial. Elle a changé de musique. C'est sympa. Oh, le petit chargement. Bonjour, mesdames. D'accord. Va-t'en, gamine. Fous le camp. D'accord. D'accord. Je vais pas insister. Oh, la vieille sorcière. Bonjour, madame. Ok. Je suis désolée, mais j'aime bien observer les personnages. En fait, je suis la seule qui a une gueule normale, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Oh, je fais voler les papiers quand je marche dessus. Ah, c'est cool, ça, j'aime bien. Alors, bonjour, madame. C'est par où, l'apothicaire? Ne parle pas du cheddar. Je vois toujours les pieds crémeux avec ses petites petite noisette. Et tu vois, je le veux, bien. Mais vraiment, il reste désespérément trop cher pour moi. Est-ce que vous êtes censé être là, les mecs? Parce que vous parlez, mais... Qui parle avec qui, là? D'accord, tu es le violoniste, mais tu n'es pas le violoniste. Hello, butcher. La gueule. Non, mais vous avez vu cette gueule, s'il vous plaît. J'en peux plus. Alors. Pas par ici. Toi, tu bègues à personne, ok. Je vais vous prendre la tête de porc, là, si vous vous en servez pas. Petit chat. Minou, minou. N'aie pas peur. Ouais, bah il y a une rue dans laquelle j'ai pas été, alors je vais y aller avant de te suivre, ok? Et oui, je suis comme ça. Je suis sûre que les gosses, ils avaient plein de trucs très intéressants à me dire, comme orpheline, meurtrière, j'en sais rien. Oh, t'es mignon avec ton petit chapeau, toi. Bon, t'es moche, mais t'es mignon. Elle travaille? Et ses dents? Trop bonne pour nous voir? Elle n'approche pas, déteste les gens. Bah qui aime ça, hein? Jamais pressé? Si! Mais vous êtes fou? Vous parlez de qui? Vous êtes fou? Bonjour petite. Oh putain. Ah tu me pousses fort, hein. Tu me fais sortir les cheveux de la tête s'il te plaît. Allez vas-y. Vas-y pousse-moi. Oh le bug. La brontaille. Donc j'ai une perruque, c'est bon à savoir. Le train du marchand de sable lève les voiles. Ses sièges douillés et ses roues en étoiles. Vite, mes petits, ne craignez rien. L'homme dans la lune est le mécanicien. Donc j'ai bien fait de ne pas partir tout de suite à la poursuite du chat. On peut se rendre compte du coup que tous les gosses du monde sont tarés. Voilà. Voilà. Oui. Bloqué par un trottoir. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a une bonne ambiance Londres crade. Tu peux pas passer par là, petite. On parie. Oh,
Reste corrigez-le. J'ai arrêté des gens moins fêlés que toi. Eh oh, je suis pas fêlé, c'est vous qui êtes fous. Tous. Et toi, t'es qui, toi? Toi, t'es juste moche. Ok. Ça baise? Eh bah c'est sympa. J'espère qu'il n'y a pas des trop petits qui ont joué à ce jeu. Ah, il y a quoi par là? Non, où est passé ce chat? Il est là, c'est bon. Ça va, j'explore. Arrête de faire la meuf. Bonjour. Bonjour. Faudrait peut-être manger, madame. Arrêtez de vendre son cul et manger un peu. Tu veux du boulot? Marre de tes couches? Vaut mieux ça qu'être la souillon de l'orphelinat. Tu pourrais soulager des gens, rendre heureux, pendant au moins 10 minutes. Et choper toutes les maladies du monde, non merci. Vous vous parlez sans faire de bruit. Excusez-moi, vous m'avez l'air plein de talent. Très bien, allez au diable, je suis trop cher pour vous, pauvre type. Ok. Il faut croire que j'aime suivre les boules de poils dans leur tanière. C'est peut-être bizarre. Tu veux dire parce que c'est un chat blanc et qu'un chat blanc ça rappelle le lapin blanc et que il court devant et que t'arrives jamais à le rattraper et que... Ouais, ouais. Oui, alors moi je cherchais l'apothicaire, en fait. Le monsieur qui vend les cachets, les pilules. Tu es quoi, toi? Une mouche? Un lapin? Ah mais... Est-ce que je peux jouer? Oh, par mes jardières. Alice Liddell. Toujours dans la misère? Miss Witless. Bonjour. Les misérables se croisent. Eh bah, elle a une bonne répartie, cette petite. Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. D'accord. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens grillés vivants, comme des marrons. 10 ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs, oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non? Qui donc l'a habillée? Qui donc l'a placée chez Bumby? Où serait-elle sans moi? Dans la rue, avant ses fesses. Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, putain. Ou leur ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ouais, t'es une vieille connasse, quoi. Elle ne sait plus gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, en fait, Alice Liddell, c'est la petite fille qui a inspiré les contes de d'Alice au Pays des Merveilles, tout simplement, de Lewis Carroll. Voilà, je voulais le dire, pour ceux qui ne le savaient pas. D'accord, information très utile que tu viens de me donner. Est-ce qu'ils sont bien faits, ces pigeons? Ils sont mieux faits que les humains. Coucou, petit pigeon! Tu sais qu'il n'y a rien sur ta... Ah! La tête passe à travers la boîte, c'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle veut la vieille biquette là?
D'ici, je peux voir. Je peux voir des trucs, c'est ça? Oh, d'accord. Ok, ça me ramène toujours sur la vue de Londres. D'accord, super. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif. Que je bois dans la tanière. Ah, Magnifique voix de bonté, merveille. Sa famille est morte. C'est peut-être là que ça servait d'inverser l'axe Y. Corruption. J'ai les cheveux plus longs, j'ai l'impression. Écoutez, le chat, il est souvent de bon conseil. Oui, bah comme dans les contes. Ah, j'ai une petite tête de mort derrière le cul, c'est mignon. Ah ouais, j'ai déjà un peu plus la classe. Hein. Mais donc on cherche plus l'apothicaire. Je crois que c'est mort. Quel épuisant voyage. J'ai pu se méprise ou ce qu'elle est devenue. Au moins cet endroit me rappelle quelque chose. Ben, il était grand temps, Lidl. Maudit chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur, toute seule. Ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Mm-hmm. Toujours pas touché au gameplay depuis 23 minutes. Bon, en tout cas, c'est joli, c'est une belle histoire, c'est bien fait. Les musiques sont sympas, les graphismes sont beaux. Je pense que je vais me faire une petite demi-heure, après j'arrêterai, les gars. On est à 23 minutes déjà. Ok, j'ai fait fuir une vache ailée. Salut les fleurs. Alors vous, je sais pas, mais moi j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Ah, le double son, d'accord. Tu es française, Alice, c'est sûr. Une vraie grenouille. D'accord. Oui, j'avais compris déjà. J'avais vu. Merci, didacticiel. Ah, oh, c'est rigolo. Moi, en fait, je voudrais bien que tu me vires ce texte nul, là, que je puisse voir la belle statue dans son entièreté, tu vois. Ok, bon. C'est parti. Yo. Ok. Yo. Yo. Ah, bah, en tout cas, elle est déjà moins gros cul que le personnage de Limbo. Un souvenir de plus. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir, Alice. Tu es beaucoup trop imprudente, ma petite chérie. Oui, mais ça va, moi je suis pas morte et vous êtes mort, alors c'est qui les plus imprudents? Eh ben, ah, c'était sympa ça. Avec les petites plumes d'oiseaux qui... Mais tout. Un autre souvenir. La manite tue-mouche, Alice, est un champignon dangereux, d'une belle apparence, mais venimeux. Ok, ça va, je m'en serais rappelé. Je peux pas passer?
Je suis en train de chercher ce que je peux faire pour me baisser ou... Rien, d'accord. À mon avis, ce sera donc plus tard. Vous voyez ce que je vois ? Ah, je peux plus zoomer. Bon, d'accord. J'imagine que chaque monde a ses fonctionnalités. J'aurais bien aimé pouvoir... J'ai déjà pris ce chemin par le trou de la série. Même si l'on n'a pas de costume de bain, le plongeon me semble inévitable. Oh non! Je réduis dans la potion! Vais-je disparaître? Bientôt, mais plus terre à terre, tu pourras voir des choses qui autrement seraient invisibles à la grande toi-même. Ah, je comprends. Enfin, l'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de point de vue. Et c'est génial! Changer le hockey, quoi. Alice utilise sa mini-sensibilité lorsqu'elle rétrécit. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des trucs... Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là-haut? Vous voyez? Un machin avec une très grosse tête. Ok. Pas si j'ai très très envie de te retrouver. Oh, toi. Comme elle a rétréci, si petite, elle n'est plus rien qu'un rat dans son trou. Par là, il y a quoi? Pas grand chose. Ah, là, c'est de là où on vient, d'accord. Ok. D'accord, il n'y avait pas assez de flèches, les mecs. J'aurais pas compris sans vous, je crois. Oh. Bonjour. Est-ce que vous êtes gentil? Ok, j'ai ramassé des dents, tout va bien. Ok, bon bah descendons, joyeusement. Bon, et bah c'est très sympa, moi j'aime bien, je pense qu'on va continuer sur ce jeu. Il nous reste une minute pour faire les 30 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous tente que je fasse une suite ou pas. Moi en tout cas j'aime bien, je pense que ce sera un petit peu plus mouvementé que si on fait que Finding Teddy, j'espère que ça vous fasse chier. Ah, on va rentrer dans la phase de fight là je crois. Vous allez me donner une arme? Un couteau? Ah, il y a un souvenir par là. Je ne me suis jamais autant amusée qu'au toboggan à Hyde Park. Papa te montrera, Alice. Eh ben, c'est super. Attends, t'es sérieux? Allez, bon bah allez, on fait le petit toboggan avant de... Je sens que je vais faire de la merde. Ça va jusque présent. Ramasser des dents! Ah, je l'ai pas eu. Zut. Snowboard! Eh bah. Ah, tout de suite l'ambiance est différente. Un peu de sang. Bon, les gars, bah écoutez, on va se quitter là. Et je vous dis à très vite pour le deuxième épisode. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver, comme vous le savez, sur Twitter.
sur Facebook, sur la chaîne de Panda, tous les lundis à midi, il y a les lundis indés qui sont en live sur la chaîne de Panda, que nous tournons le jeudi soir à 20h30 sur la chaîne Hitbox de Panda. Donc si vous ne connaissez pas, bien, soit j'aurai tout mis en barre d'infos, soit vous vous débrouillez. Voilà. Allez, à très bientôt.